Parmi les choses qui nous font aimer One Piece, il y a les combats. Luffy contre Lucci, Luffy contre Katakuri, ce sont des combats mythiques de One Piece. Cependant, il existe des combats qui n'ont jamais été montrés et qui sont très intrigants depuis que nous savons qu'ils se sont déroulés auparavant. Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 294 millions de berries. Aujourd'hui, deuxième épisode des combats mystérieux qui n'ont jamais été montrés dans One Piece. Parmi les combats que je vais citer, vous allez sans doute vous dire que j'en oublie de très importants. Et il se peut que j'ai déjà cité ces combats dans le premier épisode. Donc si vous n'avez pas encore vu le premier épisode, le lien est dans la description. Sans plus attendre, on peut commencer. Jack contre la marine. Après la défaite de Doflamingo, la marine l'emmène à Impel Down. Jack s'apprête à aller récupérer Doflamingo même si le nombre de navires est trop élevé. On remarque que sur ces navires, il y a Fujitora, Sengoku et Tsuru. La seule chose qu'on sait, c'est que Jack a réussi à couler deux navires. Cependant, il a été battu par la marine. Je trouve que ce combat avait sa place dans ce top car nous n'avons pas pu voir cette confrontation et ça aurait été un bon moyen de découvrir la puissance de Tsuru et d'en savoir un peu plus sur les capacités de Sengoku. Même si on se doutait que la marine allait battre Jack, un trio aussi puissant que celui-ci reste très intrigant. Kaido contre Big Mom. C'est durant l'arc Wano Kuni que nous avons entendu parler de cette confrontation. En effet, Big Mom comptait se rendre à Wano Kuni et Kaido a été informé de son arrivée. Après de nombreuses péripéties, Big Mom a quand même été ligoté sur Onigashima. Kaido ordonne qu'on la libère et soudain les deux Yonko décident de se battre. On a pu observer que cette confrontation a fissuré le ciel en deux. Évidemment, tout le monde veut savoir comment s'est déroulé ce combat. Un choc entre deux empereurs, ça arrive pas tous les jours dans One Piece. C'était un bon moyen de découvrir la puissance de deux empereurs à son paroxysme. Mais c'est pas tout. On apprend ensuite qu'ils ont décidé de s'allier temporairement. Qu'est-ce qu'il s'est passé pendant ce combat? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Pour le moment, tout ça restera assez flou. La seule chose que nous savons, c'est qu'une alliance s'est formée entre deux personnages faisant partie des personnages les plus puissants du monde. Et rappelant même un légendaire équipage appelé les Rocks Pirates, dont Big Mom et Kaido faisaient partie il y a plus de 38 ans. Barbe Noire contre les Révolutionnaires. Baltigo était l'île qui abritait le QG des Révolutionnaires. Sa position a été découverte par Burgess, et cela a abouti à une confrontation entre l'équipage de Barbe Noire et les Révolutionnaires. Il faut savoir que ce repère était là depuis plus de 10 ans, et c'est lors du retour de Sabo après Dressrosa que la position a été découverte. J'ai hésité à mettre cette confrontation dans le top car nous ne savons pas vraiment qui était présent à ce moment-là. En effet, au même moment, la rêverie se préparait et les Révolutionnaires avaient pour objectif de s'infiltrer. Il se pourrait que cette destruction fasse partie du plan de Dragon, et qu'ils aient laissé Baltigo se faire détruire pour que le gouvernement mondial ne les considère plus comme une menace. Dans tous les cas, même s'il n'y a pas eu de vraie confrontation, je comptais quand même le mettre dans ce top car ça reste un élément mystérieux. Quel serait l'intérêt pour Barbe Noire de détruire Baltigo? Est-ce que c'était encore une fois pour tenter de récupérer le Mera Mera no Mi à Sabo? En effet, nous avons découvert dans le chapitre 956 qu'il y avait une mauvaise nouvelle concernant Sabo dans les journaux. Barbe Noire, en apprenant ça, dit que la marine ne croit quand même pas qu'il va leur laisser ça et que c'est lui qui va s'en emparer. Et on peut se douter qu'il parle du Mera Mera no Mi. Les Révolutionnaires contre les Amiraux. Un bon moyen de faire la transition sur cette confrontation. On parlait de cette mauvaise nouvelle concernant Sabo, mais nous ne savons absolument pas ce qu'il s'est passé. Nous savions juste que certains révolutionnaires étaient infiltrés et qu'ils sont passés à l'action pour essayer de sauver Kuma. Ils ont donc dû affronter Fujitora et Ryokugyu. Pourquoi ce combat mérite sa place dans ce top? Tout d'abord car dans ce combat on aurait pu découvrir la vraie puissance de Sabo et la puissance des autres révolutionnaires. Mais aussi on aurait pu enfin découvrir le dernier amiral de la marine, Ryokugyu. Nous ne savons pas encore à quoi il ressemble et de quoi il est capable. Est-ce que les révolutionnaires se sont fait capturer? Est-ce que tout ça fait partie de leur plan? Que prépare Dragon pendant ce temps? Lorsque Morgan s'occupe du journal, il dit qu'il faut indiquer qu'il y a des morts dans le titre. Cela laisserait supposer que Sabo est mort, mais ça m'étonnerait que Dragon n'ait pas de vivre-carte de Sabo et que son seul moyen d'avoir des nouvelles, c'est grâce aux journaux. Plein de mystères se sont créés pendant la rêverie et cette confrontation entre les amiraux et les révolutionnaires en fait partie. Les Rocks Pirates contre Garp et Roger. On arrive déjà au premier de ce top, le combat où l'équipage des Rocks faisait face à Roger et Garp. Nous apprenons dans le chapitre 957 que l'équipage des Rocks régnait sur les mers avant l'ère de Goldie Roger. L'équipage a été dissous lors de l'incident de God Valley, qui est en fait cette confrontation. Garp et Roger ont formé une alliance pour protéger les dragons célestes et les esclaves sur l'île. Nous savons qu'ils ont réussi à vaincre l'équipage des Rocks qui était composé des plus puissants pirates du monde, Kaido, Big Mom, Barbe Blanche, Shiki, Hache d'Argent, Capitaine John, Wangzi et le capitaine Rocks d'Ixebec. Depuis cette confrontation, Garp a obtenu le titre de héros de la marine. Je pense qu'absolument tous les fans de One Piece veulent voir ce qu'il s'est passé durant l'incident de God Valley. Imaginez qu'on puisse enfin voir la vraie puissance de Roger, Garp, Barbe Blanche ou encore Xebec, qui est un personnage très mystérieux depuis que son nom a été révélé. A l'issue de ce combat, on apprendrait énormément de choses sur les dragons célestes et le gouvernement mondial, sur les Rocks et les futurs Yonko, et surtout sur le roi des pirates. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Encore une fois, s'il reste des combats mystérieux qui n'ont pas été montrés, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde!